Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, puisque comme vous pouvez le voir aujourd'hui c'est une vidéo unboxing, ou peut-être dans le titre également. Il y a une marque qui m'a contacté il n'y a pas très très longtemps, et d'ailleurs c'est la première fois que j'accepte de faire une vidéo pour une marque, etc. Et cette marque c'est Subsonic, c'est une marque française qui fait des accessoires gaming, des accessoires audio, Bluetooth, casque Bluetooth, et bien sûr des trucs gaming comme des manettes. Et aujourd'hui c'est ce qu'il y a dedans. C'est une manette un peu spéciale. C'est pas une manette de PS4, mais c'est une manette pour PlayStation 4, mais aux couleurs d'un club que j'aime beaucoup, aux couleurs de l'OM. Mais ils font également beaucoup beaucoup d'autres clubs. Et donc on va découvrir ça ensemble les amis. Et bah écoutez, on va commencer avec le premier, parce qu'ils m'ont envoyé deux produits. Alors on a déjà ce premier produit qui est une protection de manette. Donc c'est du silicone, hein, je pense. C'est du silicone aux couleurs de l'OM. Donc c'est juste pour personnaliser votre manette. Voilà, ça se met dessus en fait. Et vous avez deux petites protections d'analogue en plastique. Dans le produit, et bien c'est ça, on a le petit, la petite protège aux couleurs de l'OM avec le signe de l'OM qui est ici. Et le numéro 13, donc vraiment couleur OM. Donc voilà, c'est absolument ça, c'est du silicone, hein. Et c'est pour protéger vos manettes. Alors le seul souci que j'ai avec ce genre de produit, c'est que en fait quand vous transpirez des mains, je pense que les mains doivent glisser dessus. Mais en tout cas sinon c'est très très original. Et bah, ça personnalise un petit peu votre petite manette, donc ça peut être pas mal. Donc on va installer ça sur la manette juste après. Voilà, avec les deux petites protections d'analogue qui sont là, qui sont très très bien. Moi j'aime beaucoup leurs protections d'analogue, parce qu'en fait ils sont en plastique, mais ils sont assez durs en fait. Et j'aime beaucoup en fait le toucher, il est agréable. Par rapport à d'autres protections, des fois ils sont pas forcément très très agréables. Donc c'est plutôt cool. Et donc on passe au dernier produit, avec donc cette manette PS4 Pro 5 qu'il l'appelle. Et donc cette manette existe en plusieurs catégories. Donc je pense que je vous mettrai une image avec en fait les plusieurs clubs qui font. Il y a celle du Real Madrid, de l'AS Roma, il me semble, du Barça, de Lyon et de Paris. Voilà, donc il y a peut-être d'autres clubs. Je crois qu'il y a même Lille, le LOSC. Donc voilà, donc il y a plusieurs clubs. Une fois tout ça déballé, qu'est-ce que ça donne? En tout cas, les boîtes sont très jolies. Hein. Les boîtes sont très très jolies. Alors j'espère que la qualité d'image sera pas mal, parce que c'est vrai que je filme avec une caméra qui est pas forcément top, mais qui est très vraiment très très jolie. Et donc voilà la manette Pro 5. Donc qui a fil, hein, bien sûr, n'est pas Bluetooth. Ça d'un côté, c'est pas forcément trop un problème. Focus, s'il te plaît, focus. Voilà. Donc on va la sortir de son déballage. Elle est très jolie, hein. Il y a vraiment une belle couleur. Franchement, très très belle couleur. Et donc on a une petite notice ensuite, parce que une fois que vous la recevez en fait, vous devez la mettre à jour. Donc en fait vous devez l'activer. Donc tout est sur le site. Voilà, avant la première utilisation, mettez à jour le pilote de la manette sur le site en question. Donc voilà, ils vous disent tout simplement d'aller sur pro5controller.com pour ensuite mettre à jour votre manette pour qu'elle puisse fonctionner sur votre console. Donc voilà, tout est expliqué. De toute façon, c'est vraiment très facile à faire. Et donc voici ces petites manettes de PS4 Pro 5. Franchement, elle est vraiment très très jolie. Donc voilà, par rapport à une manette PS4, ça ressemble pas du tout vraiment. Mais en tout cas, déjà, elle est très légère. Je suis vraiment surpris, ça, elle est très légère. Elle est vraiment pas lourde, avec un système de LED également. Je pense que ça doit être un système de LED également ici. Donc voilà, qui a un fil très très bon, long fil. Je crois qu'il y a 3 mètres de fil, donc c'est plutôt pas mal. Et où toucher, et bah franchement c'est doux, c'est vraiment doux. La prise en main, elle est vraiment pas mal, hein. Les boutons R2 et L2 également sont un peu différents. Après je pense que c'est une fois que vous l'utilisez, mais non, c'est vraiment pas mal.
Franchement, c'est vraiment pas mal. Il y a une bonne prise en main, en tout cas, pour l'instant. À voir par la suite. Là, vous avez l'espèce de petit pavé tactile, mais franchement, très très jolie manette. Alors, je pense que je vous ferai un autre plan ensuite, par la suite, à la fin de la vidéo, pour mieux vous montrer. Mais très très jolie manette. Et donc, voilà un petit peu ce que ça donne avec le protection couleur de OLM. Bah, franchement, ça rend plutôt bien. Hein. Ça rend vraiment plutôt bien. Même sur une manette noire, alors sur une manette blanche, je pense que ça doit rendre encore la chose beaucoup meilleure. Mais c'est vraiment plutôt pas mal. Vous avez des espèces de petits traits comme ça, là, des espèces de grippe. Bon, franchement, ça sert. Je vois pas trop l'intérêt, mais ils ont des espèces de traits ici qui servent, je pense, de grippe. Mais en tout cas, franchement, super rendu. Ça rend vraiment la manette cool en fait. Vraiment. Mais la manette PS4, franchement, je m'attendais à quelque chose de lourd, mais en fait, pas du tout. Donc c'est vraiment la surprise, en fait. Je pensais vraiment que c'était vraiment lourd, mais en fait, pas du tout. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, hein, ils font plusieurs clubs. L'AS Roma, le Barça, etc. Je vous invite à aller voir leur site internet. Leur site internet est dans la description. Ils font vraiment beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de clubs, en fait, d'autres clubs. Comme je vous l'ai dit, Lyon, le Barça, voilà, ils ont plusieurs produits, des enceintes Bluetooth, des casques micro, des casques sans fil. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir vraiment leur site internet, parce que sincèrement, ils font vraiment de bonnes choses. Et en plus, c'est une marque française, donc je remercie en tout cas Subsonic de m'avoir envoyé ces produits-là. Voilà, ils m'ont contacté juste pour que je puisse vous présenter ces produits-là. Donc voilà, en tout cas, je les remercie, parce que franchement, je m'y attendais vraiment pas. Jolie manette en tout cas, jolie, très très jolie manette. Et donc voilà, en tout cas pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas à mettre le petit j'aime à la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et pour nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.